À toutes et tous. Aujourd'hui, je vous propose une balade avec une BMW HP2. Et oui, il n'y en a pas beaucoup, c'est rare. Et je vais vous présenter mon ami Michel, qui est un vrai passionné de cette moto. Il en a eu 4, mais il va nous parler de sa moto bien mieux que moi. Et donc voilà notre ami Michel. Alors, et Michel. Voilà, ben, écoutez, bonjour à tous. Hein. Je me présente Michel, passionné de moto, toute cylindrée, et puis ce virus du HP2 enduro qui m'a longtemps pris au trip depuis 2005 la première, et puis là c'est ma dernière version des 4 motos que j'avais, des 3 motos anciennes que je n'ai plus malheureusement, mais j'ai gardé celle-ci. On peut pas tout garder quand même. On peut pas tout garder. C'est bien dommage, il m'aurait fallu un hangar, mais voilà, j'ai quand même gardé celle-ci pour mes beaux jours et mes vieux jours. Donc, juste une chose pour te présenter un tout petit peu, c'est parce que toi, la moto d'enduro, tu connais bien quand même. T'es pas quelqu'un qui a acheté ça juste pour faire joli. C'est que toi, tu fais vraiment de l'enduro. Alors, je fais de l'enduro, mais c'est plutôt de l'enduro de voyage. Hein, c'est des grands parcours avec toutes motos aussi confondues. Et t'encadres. Alors, j'ai eu la chance de. Alors, c'est pas pour mon niveau de pilotage, hein, mais bon, bah, avec mon endurance, surtout ma gentillesse, je pense que c'est ce. C'est ça. C'est la gentillesse, la disponibilité, parce que retraité, bien sûr, depuis quelques années, j'ai été client de voyagistes, hein, et ces gens-là m'ont recontacté pour pouvoir soit faire des premières mondiales, c'est-à-dire la Mongolie, par exemple, ou des voyages en Argentine, Bolivie, Costa Rica. Oui, tu as fait des belles choses quand même à moto. Madagascar aussi. Hein, et oui. Et avec toute cylindrée, donc j'ai roulé aussi bien 250 CRF Honda sur la Transalp que j'ai traversé l'Argentine pour monter en Bolivie. Bon, les amis, là, on est parti pour 3 heures. Sur le plateau. Là, enfin, je le connais. Et puis des petits chemins par ici. J'ai descendu la Dordogne par les chemins, les pistes. Avec celle-là ? Avec celle-ci. Ah ouais. Voilà, j'ai tourné sur la Bonnette. J'ai tourné, bien sûr, sur tout ce qu'on connaît, nous. Oui, bah oui, bien sûr. Toute la région. Voilà, c'est de la promenade. Bon, alors aujourd'hui, malheureusement, je vous le dis, hein, on va pas faire des choses miraculeuses. Ça va être très simple. On va faire une petite balade autour de Nice, mais c'était juste pour vous présenter cette moto, quoi. Voilà, c'était ça l'idée. Merci à BMW de m'avoir mis les yeux dans les étoiles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes à Astrorama, sur les hauteurs de la Turbie. Exact, voilà. Exact. Bravo. Viens le parallèle. Pas mal, Michel. Qu'est-ce qu'il est fort. Mais il est fort, ce Michel. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais on va aller se balader quand même maintenant. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est parti. Allez. Magnifique la vue là. Oh là là. T'es prêt, Michel? Ready. On est là pour ça.
devrait y aller avec une pointe de... Ouais, là, ouais, faut passer ici. Pas à gauche, toi. Ouais. Pas au milieu, hein. Moi, je resterai là. 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 Putain, j'en ai marre de partir avec des aventuriers, là. Là, ça roule, hein. Là. Là, on va détacher ça, là. Ouais. On va le mettre là. Voilà. Voilà. C'est bon. On passe à gauche. On en met ça. On doit faire gaffe, hein. Là, on sort, là. Ah ouais, ouais. Parce qu'après la piste elle est là à droite là, tu vois. Là ? Ouais. Tu vois, on redescend. Voilà, ici là t'as l'épingle. Bon, jusque là tout va bien. Allez, un peu de trial. Oh putain. Chance, hein, parce que c'est quand même génial de pouvoir utiliser ce genre de piste. C'est des pistes ouvertes, hein, on a le droit de circuler sur ces pistes. Ça va, Michel? Super, super. Ça roule. C'est une affaire qui roule. Ouais, c'est une affaire qui roule, comme tu dis. Voilà, 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 voilà. C'est assez dur de tenir la caméra d'une main. Hop. Ça va, c'est assez roulant comme piste. Hein. J'avoue que je connais pas du tout là. Michel connaît tout par cœur autour de Nice, mais pas que autour de Nice d'ailleurs. Il connaît tout, toute la région, je dirais même presque toute la France, mais toujours par des petites routes ou des sentiers. Ah oui, ça tourne vraiment beaucoup là. Je sais pas si je vais y arriver d'une main. Ah si. Qu'est-ce que je suis doué. Pas mal là. Typique, c'est vraiment les rues escarpées de Nice. Là, c'est visite privée de Nice. Ah oui.
c'est dans l'Académie du Pambagna. Ils font partie des maîtres Pambagna. Oh. Alors là, tu as la petite enseigne qui a la niçoise en décoration, avec en dessous l'année de la validation. Maintenant, dégustation de Pambagna, et on déguste ça chez Royal Enfield, chez Benjamin. Regardez. Alors, cette belle table. Bonjour Benjamin. Oui, pardon, oui, c'est vrai. Regardez, hein. Elle est pas belle la vie? Et voilà. Allez, à la nôtre. À la nôtre. Santé. Santé. Parce que je suis pas bon sur la piste, quoi. Non, mais il faut y aller comme tu le sens, et là c'est très bien. Là ça va, c'est nickel. Bon, je vais changer de batterie. Génial. Je vais mettre balle neuve, comme on dit. Le sentier nous amène bien pile dans ce spell, hein. Ouais, il nous amène. On n'est pas loin de ce spell, hein. Ah non, c'est bon. Là, oui, on est presque au bout là. Tac, donc ça c'est bon. Tac. Donc tu vois, hop, je coince là. Take off. Ouais, voilà.